Salut, aujourd'hui partons à la découverte des VM. Alors qu'est-ce qu'une VM? Une VM, c'est une machine virtuelle. Ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à faire tourner un ordinateur sur un autre ordinateur. C'est-à-dire que tu as ton propre ordinateur, et puis dessus, tu peux avoir un, deux ou trois autres ordinateurs virtuels qui sont en fonctionnement. Du coup, ça te permet d'utiliser plusieurs versions de logiciels ou plusieurs versions de Windows. Un troisième usage assez fréquent, c'est l'utilisation de machines virtuelles pour toutes les tâches courantes. C'est-à-dire que s'il y a un problème de sécurité, etc., sur ta machine virtuelle, eh bien, tu peux la réinitialiser et le problème de sécurité ne s'est pas transmis à ton ordinateur physique. Alors, pour l'utilisateur particulier, quelque chose de très utile, si tu avais un vieux Windows 7, par exemple, avec des logiciels installés dessus, eh bien, tu peux très bien t'installer une machine virtuelle sur ton PC en Windows 10 ou en Windows 11 et réutiliser tes logiciels du Windows 7 sur une machine virtuelle qui est en Windows 7. Ensuite, pour un développeur, ça va servir à avoir des serveurs en local, par exemple. C'est peut-être l'utilisation la plus fréquente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déployer des applications sur une machine virtuelle et les tester comme si on était à distance sur Internet et connecté à un serveur à distance. Je vais vous montrer tout ça dans les prochaines vidéos.